Salut tout le monde, c'est Arcade, je suis en compagnie de Damien et Damien, et tout le monde. Sur le jeu Fagnat Alphali, et donc on va tout de suite commencer. Alors, c'est la démo du 1, là il y a le petit téléphone qui nous appelle, je sais pas où il est. Waouh, oh, c'est beau. C'est joli. Ah, ils sont là. Oh, oh, oh. I want to record a message for you. Il y a des enfants. To help you get settled in on your first night. Ouais, c'est pas grave. I actually worked in that office before you. Ah oui, merde, il est battu. I know it can be a bit overwhelming, but I'm going to tell you there's nothing to worry about. You'll be fine. So let's just focus on getting you through your first. Okay? Alors, on va tenir un tour fort possible, c'est ça. It's kind of a legal thing, you know. Welcome to Freddy Fazbear's Pizza, a magical place for kids and grown-ups alike, where fantasy and fun come to life. Fazbear Entertainment is not responsible for damage to property or person. Upon discovering that damage or death have occurred, a missing person report will be filed within 90 days where assumed property and person will be released. Moi aussi, attends, il sait qu'il y a des psychopathes, pourquoi il reste ici? C'est genre, la première année, Now that might sound bad, I know, but there's really nothing to worry about. The animatronic characters here do get a bit quirky at night, but do I blame them? No. If I were forced to sing those same stupid songs for 20 years and I never got a bath, I'd probably be a bit irritable at night too. So remember, these characters hold a special place in the hearts of children, and you need to show them a little respect, right? Okay. So just be aware, the characters do tend to wander a bit. They're left in some kind of free roaming mode at night. Something about their servos locking up, they get turned off for too long. They used to be allowed to walk around during the day too, but then there was the bite of 87. Mais non, tu vois, ça cache de la batterie. C'est ma révélation. They'll probably try to forcefully stuff you inside a Freddy Fazbear suit. Now that wouldn't be so bad if the suits themselves weren't filled with cross-beam, wired, animatronic devices, especially around the facial area. So you can imagine how having your head forcefully pressed inside one of those could cause a bit of discomfort. The only parts where you would like to see the light of day again would be your eyeballs and the pop up above the mask. Yeah, they don't tell you these things when you sign up. But hey, first station of the breeze. I'll chat with you tomorrow. Check those cameras and remember to close the doors only if absolutely necessary. Okay, let's go. Good night. No, excuse me. Mais regarde, la batterie, elle tombe tout seul. J'ai perdu 10%. En plus, je dis trop ça. Ok, on a... On est à 2h du matin. Moi, ça s'arrête à 4h. 6h. Non, ils ouvrent pas la pizzeria à 4h. Hein. Ils bougent pas, c'est chiant. Je me fais chier, je fais miser la batterie. Oh, le rythme n'est pas bougé. Mais le pire, attends, mais le pire c'est quand t'as plus de batterie. Là c'est le mort. Tu fermes les yeux. Tant que ça se passe, tu fermes les yeux. Moi je vois que c'est 0% de batterie, je mets mes mains dans les, devant les yeux, j'attends le cri et je me dis ah c'est bon, on a fini. Il y a rien. Les couloirs. Comment tu vois pour la première fois? Peut-être que c'est des fois en fait, peut-être le fond de tout à l'heure. Ils sont tous là. Ouais, ça doit être les différents. Y'a rien. Y'a rien du tout. Bon bah on va attendre. Mais quand même, il y a un truc. Je crois qu'il y a des trucs sanitaires. Oh non, les deux ils ont bougé. Non, regarde, là c'est la salle 1, il en reste un. Ouais, il
là. Salut mec, ça, ça va. Normalement c'est plus de là. Ferme les yeux, ferme les yeux. Désolé, je me suis flippé dessus là. Ah merde. Attends, il y en a un là. Mais je vois pas le bleu. Je vois pas l'armée. Ok, il y en a un là. Donc ils sont pas encore là. Je vois pas où est le dernier. Il est assez sombre en vrai. Ah, il est là. Quoi? Il est dans cette... Putain, il a disparu. Oh! Il est là. Ah, il pique 2 heures. On va tenir. Bon, ce couloir là il est tranquille. Ce couloir là il est tranquille. On va voir ce que ça fait. Et d'un coup ça arrive de là. C'est pour ça que je suis en veille. Oh mais non. Ça va. Regarde, ça meurt. Le film je serai. Bon, l'autre il a disparu. Il est toujours là. Tranquille. Oh putain, c'est pas possible. Ça arrive en Bob l'éponge. Ah, j'aime Bob l'éponge. Ah, il est génial, faut que le voir, il est génial le film. Tu me bidonnes, mais je me suis jamais bidonné autant dans la série. Bon. Franchement, je ne sais pas plus ce qu'on entend, ça serait épique. Ah, tu veux qu'on s'en fasse ça? 6 heures, il reste 1 heure. On va tenir. Mais regarde, lui, là, lui. Là, il a disparu. Je peux y partir. Je peux y partir. Je peux y partir. Comment s'il est trop rapide, alors? Ah, si, il est trop. Si. Ouais, il reste plus de 2%, donc il faut économiser. On va tenir 6 heures, je te dis. On a perdu. On a perdu. On est nuls. Ah. Salut. Game over game. Oh, on a compris. Putain. Ah, c'est flippant. Par contre, en fait, c'est truc, mais c'est vraiment chiant, en fait, quand tu les as. Merde, ça commence notre partie. Minuit, première. Problème de batterie, en fait, c'était pour ça. Si on aurait survécu, il nous restait 1 heure. Mais là, s'il couperait son ventilateur, on serait tranquille. Ça gâcherait beaucoup moins de batterie. Le téléphone, pourquoi il y a des gens qui veulent commander une couverture? Allô? Oui! Non, c'est pour prévenir. Attends, vous allez peut-être mourir. Oh! 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 Voilà, ferme ta gueule. Il est mute. Je porte pas ce mec. Oui. En fait, peut-être ce sera en français, ça voudrait dire quelque chose en fait. Là, c'est vrai. Dedans, ça voudrait peut-être dire quelque chose. J'ai même pas envie de comprendre ce qu'il nous dit. Il va nous dire, bon écoutez, il y a des ours psychopathes et un pingouin qui ressemble à Donald qui veulent votre mort. Voilà. Pas le temps de lire un truc Minecraft. Pour anecdote, hein, il vient de prendre mon guide de PVP dans Minecraft. Très bon guide d'ailleurs, c'est toujours pas fini, c'est pas grave. Si, je vais commencer. Eh hey, mais il dit tout, toutes les attaques et tout. Voilà. Donc on est tranquille. Après quoi d'autre? Je voudrais dire. Ouais. Pour l'épisode 3, partie 2 et partie 1, c'est normal qu'il y ait eu 2 parties. C'est lors du montage, j'ai vu que ça faisait 58 minutes, donc je me suis dit pour 58 minutes c'est trop long, donc je vais faire 2 parties, voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a une partie qui dure 10 minutes et une qui dure 39 minutes.
ok, c'est normal, c'est tout à fait normal, et je vous prie de m'excuser si d'autres ça dérange. Moi je vois pas pourquoi ça dérange, vous voyez, donc, de toute façon, ouais voilà, donc voilà. Voilà, voilà. Et tout. Bon, on se fait chier, hein. Ouais, c'est ça. Là par contre, j'ai envie d'aller. Pourquoi? On va aller en torche. Voilà. C'est comme dans les films avec les gens qui se battent pour faire une chance là. Et qu'en plus il y a un truc qui a été inventé dans une porte, les gens peuvent pas se poser, quoi. En fait, tout à l'heure on parle, mais on regarde pas où ils sont les gens. Mais notre batterie elle descend, faudrait vraiment nous dire qu'est-ce que c'est. Alors, ça nous use 1%, comme vous voyez. Mais là il reste une barre de putain, mais je suis tapé. Vous voyez, en bas il y a une petite barre verte. Et il faudrait savoir si laquelle, c'est qu'est-ce qui fait ou si c'est pas. C'est pas cette trappe, non. Bah, y'en a qui a bougé. Enfin, il est quasi en train de bouger. Il est là. Tariste. C'est que le pingouin qui fout rien. L'Underman. Quoi, donc, qu'est-ce qu'il y a pas faire? Mettre le feu, aller une sorcière, faire un pouvoir fortune, potion de résistance au feu. Ouais, mais le temps qu'elle sorte la potion de résistance au feu et qu'elle la boive, on a largement le temps de la brûler. Hein. Quand t'as une mineure, maintenant tu peux construire avec un feu d'eau et un feu de lave. La potion d'avant ne sert plus à rien dans la trappe. Franchis quoi. Le diamant est une ressource importante si on veut passer au niveau supérieur. Non, mais aussi maintenant, tu es obligé de garder des blocs genre en faire un tag, tu peux en faire. Genre par exemple, je sais pas, 30 blocs sur un truc et 2 blocs en. Bloc en truc et tu vois qui va être. Je sais pas. Ah, c'est pas j'ai regardé ça dans le Dream, quand ils sont sur Mars. Oui, c'est une série modèle, je sais pas. J'ai pas regardé The Dream 1 parce que quand j'ai voulu reprendre l'épisode, bon, en fait non, la série était déjà terminée, 60 épisodes, j'ai pas eu le courage de tout regarder. C'est pour ça que je regarde The Dream saison 2. C'est une très bonne série d'ailleurs. Pour les personnes qui ne regardent pas, je vous la conseille, c'est une très bonne série d'humour et présent. Non, des fois t'as la chance, c'est bonne chance, mais c'est rare, mais un jour j'ai eu un problème de check et j'ai vu qu'il y avait la merde. Attends, je peux me construire en création du film. Mais j'avoue, j'ai jamais tué le dragon de l'Under en survie, non. Donc, je vais bouger, c'est tranquille. Il est 3h du matin, il est 3h du matin. Il faut aller en fin de série, oui, de toute façon, je vais faire dans ma série. Hein. Je tue tous les boss, même le poisson là. J'ai trouvé qu'une seule fois le temple sous-marin. Je suis rentré, je me suis perdu, donc je suis ressorti. On aurait déjà pas sorti une ruine du Nether. Y'a que l'Under qui est facile. Bon, tu peux pas t'enfuir. Hein. Le Nether c'est chiant parce que j'en perds pas de route. Ouais, c'est sûr, ouais. Donc tu creuses vers le bas, tu meurs, tu creuses vers l'eau, tu meurs. Bah, il y a une technique pour casser la bedrock du haut. Et c'est marrant parce que la première fois que moi je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il y a tout en haut dans le Nether, j'ai vu qu'il y avait de la bedrock, là c'est marrant. C'est marrant. Bon, il y a l'autre. Alors, il y a l'enduit de. Oh putain, il est là. Oh, il y va le fort là-haut, oh, mec. On va pas faire plus. D'accord, il est là. Pour l'instant, il n'est pas à côté de nous. Tu vois, il est 3h du matin, on peut encore on peut tenir. Je sais pas combien d'heures dure. Peut-être 2 minutes, 3 minutes. Je sais pas. Ça sert à quoi d'avoir un ventilateur qui va pas dans la direction de la face. Ah, rien. Ah, c'est bon, j'ai plus. C'est pas que le patron de l'œil. Ah, ça se crabe donc une œil d'arriver à rentrer. Putain, j'apprends du jour en jour. Mais je sais pas à quoi ça sert l'œil d'arriver à rentrer. Enfin, j'ai jamais testé, je suis plus. Mais. Ouais, ouais, il peut donner. J'ai jamais vu cette potion verte. Attends, œil de fermenter l'araignée qui sont des points de poison. Perdu l'indigoto, il est là. Et on a un autre là je crois. Non, ouais, il est là. On va fermer cette porte et on va attendre.
là ils peuvent pas les ouvrir. Oh merde, il y a Titi qui est parti. Ah t'es moche Titi. On rouvre à 30%, d'accord. Et là il y a... Oh, merde, le dragueur est parti. Mais là, je peux pas. Je vais fermer la porte, regardez, là. Bon, ça merde pas la vie, mais il est gentil. Une heure, ouais, ça va gagner. On va passer la première fois, mais c'est bien. Première nuit. Et après, comme je démissionne, on s'arrêtera là. Non, c'est vrai. Ouais. C'est vrai que ça existe. C'est très pratique, ça. Si on a une regarde pour avoir une petite gueule des gens. Bon, on a perdu Titi. Merde. Putain, on a perdu Titi, mec. Une balle épique, ouais. Oh, ça tue. Ouais. C'est fond de perdre Titi, il me fait stresser Titi. Titi est là. Il y en a dans le couloir. Il est là. Il a disparu, il est là. Il y en a un autre. Alors lui il est tranquille. J'ai perdu l'autre. J'ai perdu le bleu. Bon, alors, c'est grande nuit. Le mec illico est toujours pas à la retraite. Le gars en fait il doit juste avoir 30 ans, le gars il a dû démissionner le jour où il a fait ça, il a fait putain de merde dans les chutis, je démissionne. Ouais mais ils ont pas voulu mon avis, parce qu'il est quand même un peu con, mais je comprends. C'est pas celui il est logique quand même. Non on va écouter. Hello. Ouais, ça va être dur de décrocher, il a pas de bras. Hein. J'ai envie d'écouter. Vous voyez, c'est quand on bouge, on perd de la... Oh non, ils sont déjà partis, regarde. Il est là, charmeur. Charmeur, salut ça. Tu veux ton avis? Ah non, mais on va pas tenir maintenant. On va se faire broyer, ouais. En fait, je pense que si tu... En fait, faut pas que tu regardes. Si tu regardes pas... Je pense que... Non, non, il y a le pire qui est parti. Pour moi, lui, c'est le plus horrible. Merde. Ah mais non, il y en a un autre qui s'est rajouté, regarde. Il y a lui. Il y a Charmer. Du matin. Il est 1h du matin. C'est la pause déjeuner. Allez, salut. Putain, c'est long. Putain, merde. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Salut mon ami, ça va? Ouais, salut, ça va. Attends, est-ce qu'on... Ah, mais on peut faire continuer. Yeah, man. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Salut tout le monde. Et salut Damien, merci à toi. Hein. Merci. Allez.